Non mais les amis, qu'est-ce que j'apprends? Mais qu'est-ce que j'apprends? Que le critère de beauté va changer? Que dans cette nouvelle ère, on va avoir besoin de la graisse? Non mais, on croit rêver, moi, mais j'hallucine. Quand je pense là à toutes ces petites nanas qui m'ont critiqué sous prétexte que je faisais pas partie du critère de beauté du moment, et l'autre là, ces petites allusions sur Marie pleine de grâce ou pleine de graisse, enfin bon, toutes ces petites choses bien agréables de l'ancienne ère, n'est-ce pas? Alors j'avais beau leur répondre que c'était un choix de vie de ma part et de trouver d'autres parades, bon, c'était pas toujours très agréable, hein, je dois le reconnaître. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que dans cette nouvelle ère, avec le changement d'ADN, le corps a besoin de graisse. On croit rêver, je veux dire. On me dit aujourd'hui, c'est tout juste, on va pas me dire que j'ai pas assez de graisse, tu vois, maintenant que j'en perds. Alors quoi? Une fois de plus, je me rends compte que j'étais en avance sur mon temps, voilà tout. J'ai toujours eu ce côté visionnaire, j'y peux rien, c'est comme ça, faut que je l'assume. Mais alors, moi, à toutes ces petites nanas, là, en plus plates comme des limandes, qui arrêtaient pas de me critiquer, qu'est-ce que je vais leur dire, moi, aujourd'hui? Arrêtez de m'agresser avec ma graisse. Et puis, prenez du poids. Mais surtout, prenez du plomb dans la tête, les filles.